Golf Mag est une présentation de la forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Et de l'aubainerie, depuis 1944. À Golf Mag, cette semaine, on s'est donné deux missions. La première, d'abord, c'est de vous faire découvrir l'un des plus beaux parcours sur la rive sud de Montréal, le club de golf de Boucherville, qui reçoit la deuxième édition du tournoi de la boutique Peak Performance au 10-30. Et la deuxième mission, bien, c'est de vous parler de l'importance des centres jeunesse de la Montérégie, bénéficiaires de l'événement. C'est un organisme qui vient en aide à 400 jeunes dans la région. Là-dessus, bonne émission, bon Golf Mag. Situé au cœur de la ville de Boucherville, ce club a maintenant plus de 50 ans. Les arbres matures, les aménagements floraux et les allées bien dessinées de ce parcours de 6391 verges à normale 72 charmeront les joueurs de tout calibre. Vous y retrouverez d'ailleurs quatre jalons par tertre de départ. En 2006, le club de golf de Boucherville s'est engagé à offrir aux golfeurs les meilleures conditions de golf de la région en planifiant des investissements de plus d'1,5 million de dollars sur 10 ans. C'est déjà près d'1 million de dollars engagés à ce jour. De plus, le club de golf de Boucherville fait partie du programme Avantage Regroupement, où vous aurez l'occasion de jouer dans plus de 25 clubs affiliés du Québec. C'est pour toutes ces raisons que le club est l'endroit idéal pour la tenue de ce tournoi caritatif. Marie-Josée, le tournoi Peak Performance de la boutique 10-30 est de retour cette année au club de golf de Boucherville. Et visiblement, bien, on a répondu à l'appel en grand nombre. Très fière. Avec raison. Raconte-nous la raison d'être de ce tournoi-là. Premièrement, on est une boutique jeune. Peak Performance 10-30, on a ouvert il y a 3 ans. Puis on a voulu s'associer avec une fondation. Cette fondation-là qu'on a trouvée, c'est la Fondation des centres jeunesse de la Montérégie. Fondation des centres jeunesse de la Montérégie, c'est les jeunes en milieu défavorisé souvent, qui appartiennent, sont souvent dans des centres d'accueil, des centres pour eux, pour les aider. Ces jeunes-là, bien, on aimerait ça qu'ils vivent un peu comme tous les autres jeunes. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font les autres jeunes? Bien, ils participent à des activités, ils font des sports. Donc, l'argent qu'on amasse va directement pour ces enfants-là, pour leur payer des cours d'équitation, du hockey. Ça peut être aussi... Un membership au golf. Exactement, oui. On peut avoir de l'intérêt pour le golf. Puis le golf, bien, c'est quand même un sport qui est un peu dispendieux. Fait qu'on leur offre cette possibilité-là de pouvoir s'épanouir dans quelque chose. Puis je pense vraiment que quand il y a des jeunes qui font quelque chose, qui font du sport, qui s'impliquent, ça peut vraiment changer une personne. Marie-Josée, les enfants qui bénéficient de l'aide de la Fondation des centres jeunesse de la Montérégie ont généralement entre 0 et 18 ans, mais ce sont des jeunes qui sont dans une situation vraiment particulière. Oui, ils sont dans une situation d'abandon. Dans le fond, les centres jeunesse, c'est directement conjoint avec la protection de la jeunesse, donc la DPJ. Oui. Donc, c'est les enfants qui ont souvent plus de famille, oui. Donc sont laissés à eux-mêmes. Et puis, c'est pas évident. C'est pas du tout évident pour eux. Souvent, on entend parler de ces jeunes-là, souvent dans le temps des fêtes. Oui. Tu sais, on voit des topos à la télévision, ça parle des enfants de la TPJ, ils n'ont pas de famille pour Noël. Mais ces enfants-là, ils ont besoin d'aide toute l'année. Ah oui, c'est vrai. Fait que c'est pas juste quand il y a de la neige dehors qu'il faut en parler. Non. C'est aussi quand les gazons sont verts. Par année. Exact, oui. L'implication des centres jeunesse avec le tournoi, c'est, dans le fond, c'est de donner un élan, c'est de donner une seconde chance à ces jeunes-là. Même une chance. Carrément. Carrément, oui. C'est ça qu'on veut. Mais merci encore pour l'invitation. Et puis, on va inviter les gens à être généreux. Et puis, à bien jouer au golf, c'est sûr. Important. Merci. Merci, Marie. On est plus d'une centaine de golfeurs, donc, aujourd'hui. Le coup d'envoi du tournoi est donné par les golfeurs. Les quatuors choisissent eux-mêmes la formule golfique qu'ils vont jouer. Plusieurs personnalités du monde du sport et de la télévision étaient de l'événement. Gino Chouinard, animateur de l'émission Salut Bonjour, est le porte-parole officiel de la Fondation des centres jeunesse de la Montérégie qui vient en aide aux enfants de 0 à 18 ans. Hey Gino, on a le temps de t'accrocher en deux trous. Comment va ton golf? Hey, mon golf va tellement bien cette année, Daniel. Tant mieux? T'as pas idée. Écoute, presque pas de slice. Je fais des longs roulés de 25-30 pieds. Je me reconnais pas. C'est quoi la recette de ton succès? C'est-tu des étiquettes sur la casquette, quoi? Ben, je viens de l'acheter. Y a-t-il quelque chose qui marche pas? Ben moi, je sais pas. Il me semble que... Une étiquette de même, j'enlèverais ça. Oh non! T'es pas sérieux? Écoute...
Je viens de l'acheter. Je viens de m'acheter des nouvelles chaussures, un nouveau polo. Il y a les pantalons que j'ai magasinés, mais j'ai manqué de temps. Ah, bon. Hey, Gino, parle-moi de ton implication dans ce tournoi-là. En fait, de façon plus générale, avec les centres jeunesse de la Montérégie. Bien, c'est une fondation qui me tient à cœur parce qu'elle vient en aide à des jeunes de la Montérégie qui ont vraiment pas de ressources, souvent abandonnés par leur famille, souvent sans moyens, sans sous. Les services officiels en prennent charge, donc la DPJ, mais la fondation vient en aide à ces jeunes-là en leur fournissant d'autres outils pour réussir dans la vie. Ouais. Je pense en plus qu'on va venir en aide à une golfeuse qui pourra bénéficier d'un droit de jeu, d'un membership au club de golf de Valleyfield, qui pourra elle aussi à son tour obtenir ce deuxième élan qu'on a besoin parfois dans la vie. Ouais, c'est vraiment ça. Alors cette jeune fille-là qui aime le golf aura la chance maintenant de jouer comme toute personne qui a des sous pour le faire. Exact. Elle n'en a pas, mais nous, on va lui en donner pour l'aider. Puis souvent, ça donne confiance, ça le met sur la bonne voie, puis ils réussissent après dans la vie. Et on a-tu du chocolat favori après l'émission? Il va fondre aujourd'hui. On aime ça quand tu fais beau et chaud comme ça. Je te paye un cornet tantôt, si tu veux. Super. Merci. Merci d'être là, Dan. Bonne fin de sortie, Gino. Merci. Bonne saison. Good. La Fondation donne énormément toute l'année. Durant les fêtes, c'est 106 familles et 330 enfants qui recevront des paniers de Noël. Ceux-ci sont dédiés directement à des familles qui sont suivies par les centres jeunesse de la Montérégie. Restez des nôtres, car Golf Mag se poursuit après cette courte pause depuis le club de golf de Boucherville. Il y a deux certitudes quand on vient au club de golf de Boucherville. D'abord, un bel accueil et de belles conditions. En fait, il y a trois certitudes. La troisième étant de croiser le pro Yves Tremblay. Yves, t'es ici depuis plus de 15 ans déjà. Les années vont vite, non? Oui, en fait, j'ai quitté Drummondville en fin 99. Je suis arrivé ici en 2000, donc c'est ma 16e année cette année à Boucherville. Puis, bon an, mal an, vous présentez des conditions de jeu tout le temps exceptionnelles ici. Écoute, le secret, on a un bon surintendant de base, Sylvain Charpentier, qui est vraiment bon. Puis qui connaît vraiment son terrain. Alors, puis on a fait beaucoup de changements, d'améliorations. On a changé une douzaine de verres déjà. Alors, c'est toutes des belles choses qui ont fait que Boucherville s'est vraiment amélioré. On a toujours eu des beaux verres, puis là, ils sont encore vraiment beaux. Alors, on est très contents. Et vous avez la particularité d'être situé en plein dans un quartier résidentiel, tout près de Montréal. Donc, c'est un attrait important pour vous, cela, là. Oui, en fait, aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe sur les routes, la proximité devient vraiment importante. Puis nous, on a de la proximité. En ayant un beau terrain, une bonne cuisine et de la proximité, c'est vraiment gagnant. Il faut que tu sois juste un bon vendeur. Il y a des gens qui ont peut-être la perception qui disent « Ah, le club de golf de Boucherville, c'est un parcours privé. » Je pense qu'ils sont dans l'erreur. Les gens peuvent venir jouer ici au Les gens peuvent venir jouer. On est ouvert. On est semi-public, semi-privé, en fait. On joue le matin souvent. Avant 9 h, les gens peuvent jouer. On a souvent des lundis où il n'y a pas de tournoi, qu'on fait une journée ouverte aux gens. On a des centaines de gens qui viennent des lundis. Alors, on est très contents, mais on n'est pas vraiment fermé. On est ouvert au public. Moi, je connais quelques secrets du club de golf ici. De quelle façon on doit aborder le terrain pour apprécier chacune de ses particularités? Ici, il faut vraiment que tu respectes la distance. Quand tu as un trou qui n'est pas vraiment long, il faut vraiment que tu penses vraiment à tous tes coups. C'est un terrain qui n'est pas long, qui est très serré. Et il faut vraiment que tu puisses attaquer les verres avec les bons bâtons. Alors, il faut vraiment que tu penses à un coup d'avance à Boucherville. Sinon, ça va te faire prendre sur des verres rapides, un petit peu compliqués. Et le trou vedette cette semaine qu'on va jouer ensemble, ça va être lequel? Trou numéro 12. Oh, une belle normale 3, ça, hein? Une belle normale 3, puis je t'attends de pied ferme là-bas. Oh, j'ai hâte de voir ça. Le trou vedette de la semaine vous est présenté par l'Aubainerie depuis 1944. Daniel et Yves joueront le 12e trou du parcours de golf de Boucherville. Cette normale 3 s'allonge sur 197 verges. Ben Yves, le voici, votre trou vedette cette semaine à Golf Mag au club de golf de Boucherville. C'est le 12e trou. Moi, je suis passé dans les années dernières et puis j'ai remarqué qu'effectivement, cette normale 3, elle est vraiment spectaculaire. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi c'est votre trou signature ici à Boucherville. Bien, en fait, c'est un trou qui a vraiment un beau look de base, avec le lac ici en partant, avec la fontaine. Et en plus, il est vraiment entouré de fosses de sable.
Il y a une bonne distance, il y a un bon verre qui a été refait il y a quelques années. Et c'est quand même un trou de 180 verges. Alors, c'est un challenge de tous les têtes de départ. C'était vraiment un bon challenge. On a pris la distance un peu plus tôt à 174 verges au Fanion. Ce que je remarque aussi, c'est que le sentier pavé sur la droite me semble être en montant. Est-ce que le verre est surélevé par rapport aux têtes de départ? Je dirais que oui, c'est surélevé un petit peu. Ici, l'important, c'est de vraiment passer ces trappes-là sous le coup de départ. À moins que tu frappes vraiment droit, puis tu peux rester dans l'enclave. J'aime ça, puis en même temps, bien, le verre est super large. Ça nous donne vraiment une belle cible là, pour ce trou-là. Une belle cible, une belle vue, puis en fait, vraiment un beau trou. Bien, génial. Alors, on va tirer ça au sort pour savoir qui part en premier. Allez. Ah, bien, c'est le pro. C'est le pro, encore. Tu connais bien la place. T'as quoi dans les mains pour jouer ça? Moi, j'ai un petit 5, là. J'ai pas tes capacités, Daniel. Ah, arrête ça. T'es bourré de talent. C'est toi le pro, je te rappelle. Solide. Belle énaille. Parfait. On va faire la job, ça. Oui. À mon tour. Je pense que tu es capable de battre ça, Dan. Bien, c'est le défi. Moi, quand je vois de la place entre la balle puis le trou, je me dis qu'il y a tout le temps de l'espace. Il y a tout le temps de la place pour battre ça. On va y aller avec un petit fer 7. Tu réponds tout le temps au challenge, hein, Dan? J'aime ça, là. Toutes les émissions que je te vois, tu réponds toujours au challenge. Good job. Merci. Mais Yves, honnêtement, c'est un beau grand verre. Le 12e, hein, c'est possiblement un des plus beaux du parcours. Bien, c'est un des beaux verres parce qu'il y a beaucoup de surface. La surface est grande. Il y a beaucoup de on peut placer le fanion à tellement de différentes places. C'est ça qui devient intéressant pour les Vraiment. Golfeurs. Yves, dirais-tu que le 12e, c'est peut-être l'un des verres les plus accidentés du club de golf de Boucherville? Je pense que oui. Tu as le milieu du verre qui est en pente ascendante et toutes les extrémités, le devant, l'arrière gauche, l'arrière droit, sont toutes vraiment en pente. Et le centre du verre, il y a quand même une pente montante. Alors, ça fait des positions de drapeau assez difficiles pour les mantes. En tout cas, la qualité du verre est exceptionnelle. J'ai hâte qu'on fasse nos coups roulés. Et je pense que ta balle a quitté le verre. Ça va être à toi à jouer en premier. Mais est-ce que tu veux que je te remette le fanion ou c'est correct? Non, c'est bon. Merci. Ah, beau. Ah ouais, donc. T'es fort. Tape là-dedans. Yes, beau sir. Bird. Super beau roulé. Ouais. Écoute, il connaît la distance, il connaît le terrain, il connaît les particularités, puis il la met dedans. Ouais. J'ai confiance, t'es capable, Dan. Bon. Alors, pour moi, clairement, c'est un pote en montant. Je vois derrière, c'est vraiment en montée. Peut-être un petit gauche-droite? Petit gauche-droite. Moi, je pense intérieur droit, ça devrait être bon. Merci pour le conseil. Donnez une chance. Oh, jamais. Jamais. Je me suis pas donné de chance, puis j'ai même pas été sa bonne ligne. Bien, j'ai pas écouté tes conseils. C'était pas ton meilleur, mon Dan. C'était pas mon meilleur, mais je dois te féliciter, pro. Merci. Bravo, merci, Yves, pour ce super beau bird. Merci. Et encore une fois, merci pour l'accueil. Et on va inviter les téléspectateurs à venir découvrir votre parcours ici à Boucherville. Puis au-delà de votre très belle surface de jeu, vous avez une super cuisine aussi. On a une super cuisine. On a une belle renommée avec notre cuisine. Puis on est très fiers de ça. Puis les gens, les membres du club de golf Boucherville sont vraiment contents. Du club de golf surtout. Merci pour l'accueil. Merci. Et puis bonne merci. Saison. Merci. Dans tout bon tournoi qui se respecte, les golfeurs ont pu profiter de certaines activités au départ de plusieurs trous. Au premier, le resto Servé Giara faisait goûter des bouchées portugaises. Au sixième trou, Peak Performance 10-30 permettait aux golfeurs d'essayer des manteaux et de possiblement gagner le manteau choisi en fin de tournoi. Au trou 8 et 17, les vins de sélection Uno offraient un cocktail à base de Pinot de Charente. Restez là, nous revenons après la pause. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Bonjour, aujourd'hui, je vous parle de l'importance d'avoir une bonne prise sur le bâton.
Vous avez tous entendu parler d'une prise forte, d'une prise neutre ou d'une prise faible. Donc, quelqu'un qui a une grippe faible, avec la main gauche pour un droitier, va avoir pratiquement aucune jointure sur le dessus de sa main et sa main droite va être refermée très fortement vers l'avant. Ce qui fait en sorte que ça me donne peu d'espace pour faire une bonne rotation avec la face du bâton. Beaucoup moins de possibilités d'avoir un bon fouet, de bien faire une rotation de la face du bâton. Si à l'inverse, je vais chercher une grippe forte, donc une main gauche très forte où est-ce que je vois 3 à 4 jointures et la main droite qui est complètement penchée vers la droite, ça me donne beaucoup d'action de main. Regardez la face du bâton, comment est-ce que je peux la tourner. Donc, je vais me donner une balle qui va aller à gauche, des gros hooks. Ça me donne plus de distance. Par contre, c'est plus difficile de contrôler la direction. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir une grippe neutre. Donc, avec ma main gauche, je vois 2 jointures sur ma main gauche et ma main droite vient recouvrir mon pouce, ce qui fait en sorte que les 2 V que mes pouces créent viennent pointer l'épaule droite. Avec ça, j'ai juste assez d'action des mains pour avoir de la puissance et je suis pas trop faible pour bloquer tous mes coups sur la droite. Donc, une grippe neutre, on voit 2 jointures de la main gauche pour les droitiers, puis on installe les 2 V qui pointent sur l'épaule droite. Alors, en résumé, ce qui est important de retenir, c'est qu'une grippe faible va me laisser des balles hautes et à droite. Une grippe forte va me donner des balles plus longues et à gauche. Et une grippe neutre devrait me donner des balles assez droites autant que possible. Sur ça, bon golf! La partie de golf se poursuit. Daniel et son quatuor ont beaucoup de plaisir. Oh my God! Pour un deuxième coup, c'est pas pire. Hey, c'est pas pire. Je vais en frapper un troisième. Ah, okay. Ça, c'est pour valider. Oui, c'est ça. Je sais pas ce qu'il y a. Good shot, Eric. Là, les bunters, là, on s'installe. Ça, c'est un swing de pratique, les bunters. Un des invités du tournoi est Stéphane Quintal, l'ange gardien des hockeyeurs. En dehors du hockey, Stéphane s'est beaucoup impliqué dans divers organismes, que ce soit au sein du Club des petits-déjeuners de Montréal ou au sein de la Fondation de Sainte-Justine, où il visite chaque année les enfants de l'hôpital. Le 8 septembre 2014, il devient vice-président de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey, fonction qu'il occupait par intérim depuis le printemps 2014. Stéphane, t'as un long titre au sein de la Ligue nationale de hockey. C'est vice-président senior à la sécurité des joueurs de la Ligue nationale. Concrètement, là, ton préfet rôle... La discipline, c'est plus facile. Ça ressemble pas mal à ça, hein? C'est plus facile. Ouais. Puis évidemment, il se passe des incidents durant une saison, mais c'est quoi le rôle qui tu consultes, avec qui tu travailles? Tu prends pas une décision seule, là? Non, j'ai Chris Pronger puis Pat Lafontaine qui sont avec moi. Puis si jamais j'ai un incident un soir... ils vont visionner, ils vont donner leur opinion, mais la décision finale me revient. Okay. Après ça, je prends ma décision. D'habitude, dépendamment si l'équipe joue le lendemain, il faut que ce soit assez rapidement. Si j'ai 2-3 jours, mais je prends plus mon temps pour vraiment prendre ma décision. Avec le recul, là, à l'époque où tu étais joueur, est-ce que tu adorais avoir ça. Non, mais c'est un point. Mais est-ce que tu te voyais à l'époque de joueur faire ce que tu fais aujourd'hui? Je voulais travailler pour la Ligue, mais plus du côté affaires. Présentement, je travaille du côté hockey et du côté affaires parce que j'ai le privilège, avec mon travail, d'aller dans chacun des meetings des directeurs généraux, des meetings des gouverneurs. Là, on a la Coupe du monde qui s'en vient, fait que je veux faire la discipline pour la Coupe du monde. J'ai fait les Olympiques aussi, fait que ça me permet de voir un peu tout puis de faire d'autres choses après. Ça fait une belle feuille de route. Oui. Elle lâche pas, toujours agréable de jaser, puis merci. Bon golf. Merci. Le Movember quelques mois plus tôt. Alors, bon Movember, tout le monde. Comme tout bon tournoi de golf qui se respecte, bien, ça se termine tout ça dans la bonne humeur, cocktail, repas et bien sûr, en camp silencieux et à la criée. Mais on est surtout très heureux cette semaine à Golf Mag de vous avoir fait découvrir d'une part le club de golf de Boucherville, qui est accessible évidemment au public, mais surtout cette belle cause, celle de la Fondation des centres jeunesse de la Montérégie, qui vient en aide aux enfants dans le besoin. Merci de nous avoir suivis cette semaine. Bon golf et à très bientôt.
Il y avait plusieurs items à l'encan silencieux. C'était une excellente occasion de se faire plaisir tout en donnant pour la bonne cause. Le tournoi de golf Peak Performance 10-30 a réussi à amasser 20 000 $ qui a été remis à la Fondation des centres jeunesse de la Montérégie. La troisième édition du tournoi Peak Performance 10-30 se tiendra le 8 août prochain au club de golf de Boucherville. Venez faire une différence! Mag vous a été présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Et par L'Aubainerie, depuis 1944. Merci également à Park Avenue Infinity de Boucherville-et-Brossard. Avant d'aller frapper mon prochain coup, je vous laisse sur une citation anonyme pour conclure l'émission. On devient grand le jour où on commence à battre son père au golf. Et on devient adulte le jour où on le laisse gagner. J'espère que plusieurs jeunes auront la chance de laisser gagner leur père un jour. Bonne semaine.